De te joindre, je me suis inquiétée, t'étais où? Parle moins fort. Hein? C'est quoi ce bébé? Il s'appelle Céleste. Elle est mignonne, non? Oui, sûrement. Mais elle est à qui? Pourquoi tu l'as ramenée à la maison? Viens, je vais t'expliquer. C'était trop tard pour mettre un terme à la grossesse. Voilà. Mais pendant tout ce temps, personne n'a rien vu? Non, j'avais remarqué qu'elle avait pris du poids, mais je ne me suis pas imaginé deux secondes qu'elle était enceinte, pas elle. Camilla est une élève hyper sérieuse, elle travaille comme une malade. Et le père dans tout ça? C'est un étudiant étranger qui est réparti dans son pays. Il n'est même pas au courant. Mais je comprends pas pourquoi elle t'a laissé le bébé si elle a pris la décision de le dire à ses parents. En fait, c'est moi qui lui ai proposé. Elle avait tellement peur d'aller le voir avec Céleste qu'elle voulait l'abandonner. Moi, j'ai proposé ça comme ça, je sais pas. Non, mais qu'est-ce qui t'a pris de garder ce bébé sans aucune procédure, enfin? Ça, c'est un être humain, pas un chaton, quand même. Ben merci, je suis au courant. Mais ça fait partie du job des proviseurs d'aider les élèves en difficulté. Arrête, hein, tu sais très bien qu'en prenant cette décision, t'as largement outrepassé tes fonctions. Ok. Ok, je sais que j'ai fait une connerie, ok? Mais sur le coup, pour moi, c'était la seule solution. Tu voulais que je fasse quoi, hein? Je sais pas. Comprends-moi, Alizé. Imaginez ce bébé placé au foyer ce soir, j'ai pas pu. Il fallait que je lui donne la chance de grandir avec sa mère. Moi, personne ne me l'a donné, tu comprends? Elle revient dimanche soir. Deux jours, c'est rien. Ok? Ok. Putain, j'espère vraiment qu'on va pas le regretter. Non. Pardon, je t'ai réveillée, je suis désolée. J'arrivais pas à me rendormir. Du coup, je commence les gâteaux pour ce soir. À 5h du mat. Eh ben, t'es sûr que ça va? Ah oui, ça va. Je me suis jamais sentie aussi bien de toute ma vie. Et tu sais pourquoi? Parce que c'est grâce à toi. C'est gentil, ça. Allez, va te coucher. Je te rejoins. À tout de suite. Tout de suite. Dis. Ça va, oui. C'est fade. Tu vois, là, c'était la vue de chez mon host, Marcello. Ton host? Ouais, c'est le principe du woofing. En gros, il a une ferme bio et il accueille des woofers qui travaillent pour lui contre une chambre et un repas. C'est du bénévolat, quoi.
Tiens, regarde, là, on faisait les semis de quinoa. Alors, c'est con, j'ai pas plus de photos, mais juste avant, on a fait la récolte des patates. Donc, du coup, toi, maintenant, t'es un peu une spécialiste de la pomme de terre. Non, mais ce voyage a été vraiment génial, papa. J'ai rencontré des gens hyper intéressants. Et puis, ça m'a vraiment permis de me rendre compte que j'avais envie de faire un métier pour aider les autres, tu vois. C'est un peu à cause de lui. Là, il est parti en mission humanitaire dans le sud, pendant que moi, je suis... Bloqué chez Noville avec ton vieux père. Allez, après, là... J'allais pas dire ça du tout. Je suis très content d'être avec toi. J'aurais juste voulu faire quelque chose d'utile pendant les vacances, quoi. Tu sais, chez Noville, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide, hein. Pas la peine d'aller à l'autre bout du monde dans le Mato Grosso. C'est vrai. Mais là, c'est un peu tard, de toute façon, pour trouver un job à la dernière minute. J'étais trop à fond dans mes révisions, du coup, j'y ai pas pensé. Ouais, trop à fond, voilà. Bon, allez. Bisous, papa. À ce soir. Ouais. Trop à fond. Pas fond dans la révision. Allô, Marie-France ? Bah alors, t'as vomi tout ton biberon, ma puce. Hein ? Tu l'as bu trop vite, hein ? Ah oui, petite little. T'as une petite little tout. Bon, la babysitter s'occupe de Pablo. Ok. Mais je sais pas, t'es sûr que tu vas aller chez Stéphane ? Ouais, bien sûr. On va passer cosy. Et puis, j'aimerais bien avoir la demi-seule sur la situation. Ok. Hey. Bon, allez, je vais terminer. Allez. Ok. Okay. Prépare-toi, on est à la boucle. Okay. Alors. Allez. Viens là. Hop, go. Vous voulez que j'assure avec vous les permanences d'écrivain public à la mairie ? Sérieusement ? Oui, ma chérie. J'ai eu le feu vert de mon directeur Idaïnor. Si tu le souhaites, tu peux commencer lundi. Oh, bah, merci beaucoup, Marie-France, c'est trop gentil. Oh, mais c'est ton père qu'il faut remercier. Ah oui, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Hein, c'est votre idée, Jean-Paul. Allez. Merci, papa. Non, mais enfin, Michel, on a dit qu'on attendait Adrien et Alizée pour commencer. Ah non, allez-y. Attendez, il n'avait qu'à être à l'heure. Hein. Ah bon, très bien. Mon chéri, tu viens ? Ça arrive ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ben, la moutarde. Alors, si on vous a réunis ce soir avec Stéphane, c'est qu'on a une grande nouvelle à vous annoncer. T'es enceinte, t'attends des jumeaux, des triplés ? Non. Charlotte revient ? Eh non. Vous allez vous marier ? Tu vas prendre des cours de pâtisserie. Bon, ça y est. Ça va, c'est un concours de blagues ? Non, c'est parce que Stéphane m'a demandé de venir m'installer ici, chez lui. Et j'ai accepté. Elle a dit oui. Oh, mais ça, c'était une bonne idée. Oh. Ça va vous changer de la vie en solo. Hein. Oh. Depuis le temps. C'est courageux. Hein. Ouais. Bon. Champagne ? Allez, champagne ! Allez, champagne ! Oh non, qu'est-ce que tu fais ? Pas dans sa chambre. Attention, Inès, qu'est-ce que tu fais ? Ça va, mais quel ravage ! Mais t'en fous partout, là ! Oh, t'as un bon chien. Ah, coucou ! Ah, mais c'est pas photo ! Je suis calme, s'il te plaît. Ça va, arrête ! Oh, un bébé ! Tu m'en occupes ? Ouais. Merci, pardon, Anne. Merci. Il y a qui ? Et voilà, vous savez tout. Eh ben, la pauvre Camélia. Quand je pense que ça aurait pu être moi si j'avais eu des parents aussi stricts qu'elle. Oh, elle est tellement mignonne. Viens dans mes bras. Là, vous avez bien fait de la récupérer, cette mioche. Quand si les parents d'Anna sont aussi fous que vous le dites, c'est sûr qu'elle avait aucune chance en débarquant avec Chucky. Céleste. Elle s'appelle Céleste. Ouais, alors. Mais... c'est ce que je me suis dit. Oh. Je sais pas si j'ai bien fait ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Michel ? Déontologiquement, t'aurais jamais dû accepter. Enfin, c'est pas facile d'empathie, hein. Moi, j'ai mis longtemps à comprendre que je pouvais pas aider tous les élèves en difficulté de mon lycée. Ouais, c'est pareil pour moi, hein. Moi, parfois, j'aimerais aider plus certains patients. C'est pas évident de savoir garder ses distances. Oh oui, petite Céleste, qu'est-ce que tu viens ? Oh, elle est magnifique. Petite beauté, hein ? Irrésistible. Tu vas avoir plein de câlins. Voilà. Thank you.
fais? Ça va? Je vais coucher, je suis creux. C'est sympa, hein? Ouais, très. J'arrive, hein? Ouais. Merci d'être venu. Je t'en prie. Elle régurgit tous ses biberons depuis hier soir. Ah oui. Quand on a essayé une tétine avec un débit moins rapide, mais ça change rien. On a eu peur que se déshydrate à force de vomir. T'inquiète pas, je vais regarder ça. Ok. Vous avez appelé la mère pour savoir si ça lui était déjà arrivé? Oui, je lui laisse un message, mais elle ne me rappelle pas. Ok. Alors, voyons ça. Tu viens avec moi? Voilà. Waouh. Dis donc, t'es forte. Alors, fais-moi voir ce petit ventre. Bah oui, c'est bien ça. Non, c'est très bien. Hop. Tout doucement. Voilà. Ça a l'air d'aller à ce niveau-là. Regarde, tu vois ça, je te mets ça comme ça. Bon, écoutez, il n'y a pas de signe de déshydratation. Je la trouve dynamique. Non, non, elle est en pleine force, cet enfant. Je pense que c'est juste le clapet entre l'estomac et l'œsophage qui est mal fermé. C'est très courant, cet âge-là. Ok. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Vous faites des pauses quand vous lui donnez le biberon, et puis surtout, vous la maintenez bien en position verticale après les repas. Ok. Et si ça recommence? Y a pas de raison, mais si ça continue, il faudra peut-être l'emmener à l'hôpital pour faire des examens complémentaires. À l'hosto? On va leur dire quoi? On a rien qui prouve qu'on l'a pas volé, nous, ce bébé. Je sais pas. Non, mais vous inquiétez pas. Elle est en pleine forme. Ça va aller. Bon, on t'offre un café? Ah oui, c'est pas de refus. Bon, je m'en occupe. Bon, allez, ma puce. Mais non, tout va bien. Mais tiens. Allez, hop. Allez. Hop. Oui, tout va bien, chérie. Tout va bien. Allez. Voilà. Bon, sinon toi, ça va? Coup de beauf. T'es au courant qu'elle prend un traitement, Inès? J'arrive pas à joindre ta mère pour en parler avec elle. Ben non, pas du tout. Un traitement, pourquoi? Écoute, je sais pas trop. Non, mais laisse tomber. T'as déjà assez de problèmes comme ça. Non, attends. Bon, par contre, je sais qui peut te répondre. Ah oui? Tu viens courir avec moi, c'est trop tard. Ça va? Dis-moi, je suis inquiet pour Inès. Qu'est-ce qui se passe? Elle prend un régulateur d'humeur, t'es au courant, toi? Inès est bipolaire. Elle t'a rien dit? Ça m'étonne pas, elle aime pas en parler. On n'est pas nombreux à être au courant. Mais elle est diagnostiquée depuis quand? La première crise, 8-9 ans environ. Il y a eu un déclencheur, quelque chose? Tu veux pas qu'on en parle au chaud? Je t'offre un café. Non, on va aller au bistrot plutôt, parce que Salomé va pas tarder. Viens. Qu'est-ce qu'il y a? Je reste chez mes parents jusqu'à la fin des vacances, j'ai décidé de ne rien leur dire. Je vais continuer mes études et abandonner le bébé. A reconnu Céleste à la maternité. Elle peut être accusée d'abandon d'enfant hors d'état de se protéger. Et elle risque... 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. Et nous? Et nous, on peut être poursuivi pour provocation à l'abandon. C'est 7 500 euros d'amende et du sursis. Et il perd notre job aussi. Rodège. Bon, ça sert à rien de regretter, de toute façon c'est fait, hein? Okay. T'as bien fait d'essayer. Ok. Eh ben,
Maintenant, il faut trouver une solution pour sortir de ce merdier et j'en vois qu'une. Aller voir la police et mentir en déclarant que t'as trouvé le bébé au lycée. Oui, mais je vais devoir laisser Céleste. Mais qu'est-ce que tu veux faire d'autre, Adrien? Sa mère veut pas d'elle. Ok. Ok, j'irai au commissariat demain matin. Je viendrai avec toi. Non, 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 non. Non, t'es avocat, je veux pas que tu montes à la police à cause de moi. Non. Bonsoir, docteur. Tu comptais m'en parler quand? T'es allé fouiller dans la poubelle? Bah, tu m'as pas vraiment laissé le choix. Pourquoi tu m'as rien dit? T'as pas confiance en moi ou quoi? Si. Enfin, dans un couple, on n'est pas obligé de tout se raconter. Excuse-moi, mais ce genre de choses-ci, c'est pas anodin de partager sa vie avec un bipolaire, Inès. En cas de crise maniaque ou dépressive, il y a des manières de réagir, tu comprends ça? Alors je te signale quand même que tous les bipolaires ne font pas de crise. Oui, mais toi si. Jean-Paul me l'a dit. Ah, parce qu'en plus tu parlais avec Jean-Paul. Dans mon rêve, hein. Oui, je suis malade. Non, je ne guérirai jamais. Je dois me battre mille fois plus que n'importe qui pour avoir un semblant de vie normale. C'est ça que je voulais entendre, t'es content? Mais pas du tout. Pourquoi tu m'en as pas parlé? Mais parce que je voyais pas l'intérêt. Et puis juste, je te signale quand même quelque chose, hein, c'est que depuis des années, je me gère toute seule, je vais très bien, je te remercie, j'ai pas besoin d'un chaperon. Ah bon, t'en es sûr? Mmh. Insomnie, euphorie, hyperactivité, excuse-moi, Inès. T'as tous les symptômes d'un début de phase maniaque. T'arrêtes, arrête. Tu vois, c'est justement ça que je voulais éviter. Que tu te prennes pour mon médecin. Alors maintenant, tu le sais, tu vas me quitter comme tous les autres. Pas du tout, mais... Je stresse, papa. Je suis au bout de ma vie, là. Mais non, mais ça va bien se passer. C'est normal, c'est le premier jour. Tu as Marie-France qui va être avec toi. Ouais, je sais. Faut... Marie-France, c'est pas trop son truc, la pédagogie. Hein. Ah non. Non, mais je sais pas, imagine, je peux pas les aider ou ils trouvent que je suis trop jeune. Non, non, mais tu vas y arriver. T'as bien réussi à planter des patates en Bolivie. Non. Mais non, mais... J'ai totalement confiance en toi. Puis il faut que tu sortes un peu le nez de tes bouquins. Hein, tu voulais aider les gens, bah maintenant tu vas bosser. Tu vas être dans le concret. Mmh. Allez, roule ma poule. Ok. Moi, j'y vais. Mauvaise idée de m'installer ici. Je vais rentrer chez moi. Pourquoi tu fais ça? Parce que j'aime pas la façon dont tu me regardes. À chaque fois que tu poses les yeux sur moi, j'ai l'impression d'être malade. J'y arrive pas. Mais tu es malade, Inès. Je vais démissionner du cabinet et puis je préférerais qu'on se revoie plus. Là c'est bon, normalement vous avez tous les numéros s'il vous faut. Ok, ça marche, merci. Je vous en prie. Ouais. Bonne journée, au revoir. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui. Il est trop mignon, ce bébé. Oui, merci. Mais il a quel âge? Il est tout petit. Quelques semaines. C'est votre premier, non? Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Ça va? Je peux faire quelque chose pour vous? Oui. En fait, je connais mal les quartiers. Est-ce qu'il y a un parc pas loin d'ici? À deux pas. Vous voyez la place, là-bas? Uh-huh. Vous tournez à gauche, vous marchez 20 mètres et vous y êtes. Ok. Merci beaucoup.
Au revoir. Beau petit cul. Désolé, j'ai pas pu. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Faut que j'aille voir Camilia. Je veux l'aider à le dire à ses parents. Je sais qu'elle va prendre ça comme une trahison, mais... je vois pas d'autre solution. Attends, tu la trahis pas, t'essaies de l'aider. Et puis elle t'a pas vraiment laissé le choix, hein. On peut pas rester comme ça, de toute façon. Je sais pas. Bon, allez, écoute, vas-y, laisse-la moi, d'accord? T'es sûr? Oui, oui. De toute façon, ça sert à rien de la trimballer toute la journée dans la voiture. Ils vont pas trop râler au cabinet? Bah disons qu'elle va m'aider à boucler 2-3 dossiers. Hein, Céleste? Te quiero. Moi aussi. Allez, file. Ouais. Bon, ça va aller, ma puce. Hein? Il va la ramener, ta maman. Oui. Bisous, mon petit chéri. Bisous, mon petit brasse. Je lui dis... Bah, va t'embrasse. Alors, Clem lui manque pas trop? Écoute, j'ai même pas osé aborder le sujet. Il avait une petite voix. En plus, les bernaches à cette période, c'était pas être top. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Installez-vous. Ah. Oui. Fini la pause-déj. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur... Favrin. Marcel Favrin. Voilà, je dois effectuer une demande de régularisation pour continuer à toucher ma pension. Mmh. Et je dois faire la démarche en ligne. J'ai un peu honte de le dire, mais j'ai jamais su me servir d'un ordinateur. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'honte à avoir, ça arrive. Et cette régularisation, vous devez la faire pour quand? Justement, c'était pour le mois dernier. J'ai fait l'autruche. Et du coup, j'ai pas touché ma pension ce mois-ci. J'espère vraiment qu'il n'est pas trop tard. D'accord, bah on va regarder ça ensemble. Attendez, je vais prendre une chaise. Venez vous mettre à côté de moi. J'ai apporté tous les éléments avec moi. Excusez-moi. Voilà. Merci. Alors, et vous pensez que ça va aller ce mois-ci sans votre pension? Ça va être compliqué. J'ai été gérant de bistrot toute ma vie, vous savez. Alors, ma retraite, c'est pas terrible. Et vous pouvez peut-être prétendre à des aides spécifiques. Vous avez pensé à appeler une assistante sociale, déjà? Oui, c'est fait. Mais aujourd'hui, tout est informatisé. Et du coup, j'ai vite renoncé. OK. Bon, alors... bah, on va trouver des solutions. On va remplir ça ensemble. T'as pas su mon SMS? Si, mais je crois qu'il faut qu'on se parle, non? Je peux rentrer? Non, j'aurais pas dû venir. Mes parents sont au boulot, je veux vous repartir avant leur retour. Écoute, Camilia, je peux pas te laisser abandonner Céleste comme ça. Mais vous avez rien compris. Cette enfant, c'est un accident, je veux pas d'elle. Je veux faire de grandes études comme mes parents, qu'ils soient fiers de moi et réussir ma vie. Pas élever un enfant toute seule à 19 ans. Alors partez. Tu t'en es très bien sortie, ma chérie. Bravo. T'as pas l'air contente. Ça m'énerve, ce vieux monsieur. J'ai l'impression de l'avoir laissé partir sans l'avoir aidé autant que j'aurais pu. Je crois qu'il a de gros problèmes d'argent.
Ben oui, ma chérie, mais qu'est-ce que tu veux faire de plus? On n'est pas des assistantes sociales. Et puis tu sais, M. Favrin n'est pas le seul à avoir besoin de nous. Hein. J'aurais quand même peut-être pu lui proposer de le voir en dehors. Ah ben, ça non. Il est formellement interdit d'entrer en contact avec les usagers en dehors des horaires de permanence. Et puis je t'assure qu'à ton échelle, tu as fait le mieux que tu pouvais. Bon, excuse-moi, ma chérie, il faut vraiment que j'y aille. Salut, ma petite chérie. Salut. Monsieur Morand, le proviseur du lycée où Camélia fait sa prépa. Il y a un problème avec Camélia? J'ai une petite fille. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Céleste. Et elle est adorable. Regardez. Tenez. Pourquoi Camélia? Comment as-tu pu être aussi égoïste? Aussi irresponsable? Tu n'as jamais manqué de rien. Nous t'avons toujours fait confiance. En échange, la seule chose, tu m'entends bien, la seule chose qu'on ait jamais exigée de toi, c'est que tu te concentres sur tes études. Je vous confirme, madame, que Camélia est une élève brillante et très sérieuse. Elle travaille beaucoup. Donc tous mes efforts n'auront servi qu'à ce que tu termines fille-mère d'un enfant sans père, c'est ça? Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que tu vas devenir, ma pauvre fille? Puis que vont penser la famille, les amis? Personne ne dira rien parce que je veux pas la garder, maman. C'est une lettre qui déclare que j'abandonne Céleste. Et que je vous charge de la procédure. Bon, juste vous dire, madame, que Camélia risque de le regretter. Et elle finira par vous en vouloir. Vous en êtes consciente, non? Ok, monsieur Favrin, bah on a qu'à se donner rendez-vous au café demain, alors. Très bien. Vous allez voir, c'est pas compliqué d'utiliser un ordinateur. Je vais vous expliquer. À demain. Qu'est-ce qui t'a pris d'aller le voir? T'avais pas le droit de tout lui balancer comme ça. Putain, c'est ma vie privée, Jean-Paul, merde! S'il me quitte, ce sera de ta faute. Et qu'est-ce que tu voulais que je fasse d'autre? De toute façon, il avait deviné. Puis excuse-moi, hein, t'aurais dû lui en parler dès le départ. Il avait le droit de savoir. Ouais, c'est exactement ce qu'il m'a dit. Alors c'est moi la fautive. Non, c'est ma faute. J'aurais dû fermer ma gueule et voir ça avec toi d'abord. Bon, on a qu'à dire que c'est la faute de personne. Qu'est-ce qui se passe avec Stéphane? Vous venez d'emménager ensemble, c'est pas possible. Salomé a raison. Faut que ça retombe, vous allez vous expliquer, puis c'est tout. Ben non, c'est pas tout. Parce que maintenant qu'il le sait, c'est foutu. Tu sais quoi? Que je suis bipolaire, Salomé, voilà. Tu vas rester avec nous? Non, j'ai envie d'être seule. Puis il faut que je me repose, demain François me ramène les enfants. Tu prends bien ton traitement, hein? Oui. Inès. Tu prends bien ton traitement. J'ai diminué, d'accord. Mais c'est uniquement parce que je me suis jamais sentie aussi bien. Et comment tu vas t'occuper de Victor et Luna? Je peux pas te laisser partir. On parie? J'irai la voir demain à la première heure. T'inquiète pas, Salomé, ça va aller. Ça va aller. Moi, Camélia Martin,
Je souhaite à la date d'aujourd'hui que mon enfant ne soit plus à ma charge. Je donne le pouvoir à Monsieur Mauron Adrien de s'occuper des procédures concernant l'adoption de ma fille Céleste et celle de mon abandon. Ça y est, ils sont enfin endormis. Ça n'avait pas été trop dur. T'es occupée de Céleste toute seule? Oh, mais j'étais pas toute seule, hein. J'ai passé ma journée avec Clem sur Skype. Qu'elle m'a aidée à distance. C'est bien. Non, mais sérieusement, ça s'est beaucoup mieux passé que ce que je pensais. Et elle a pas régurgité son biberon une seule fois. Eh, si tu crois. Qu'est-ce qu'il y a, Loulou? Alors. Oh là là. Alors. Ah, on est mieux, là. Alors. C'est vrai qu'elle est adorable. Ouais. Mmh. C'est vrai. Mmh. Ben oui, poupée. Quoi? Ben rien. Je trouve que ça te va bien. Mmh. Tu sais, je me disais. Si on l'adoptait. Qu'est-ce que tu racontes? D'accord. Tu restes avec moi un peu? D'accord. Oui. Oui. La boule. Ah, elle est trop belle. Voilà. Non, c'est pas trop manière, j'ai envie de les gâter, alors. Bah, ouais, ça fait longtemps que vous avez pas vu. Ouais, une semaine. Ah oui. Ah, depuis ce Léo. Il y en a deux. C'est beau. Ouais, c'est trop. Ah, mais madame, là, ça suffit, hein. Ben, on a bien rigolé, madame, maintenant, hein. Vous avez copié tout ça? Oui. Bon, arrêtez, s'il vous plaît. Attrapez-moi, attrapez-moi, attrapez-moi. Madame, ça suffit, là. Donnez-moi ça. Donnez-moi ça. Oh, ça va, on peut jouer quand même. Oui, bah vous pouvez jouer dehors. Ça marche plus. Ça marche pas. C'est normal. Nul. Sinon, je prends rien, c'est vraiment... Nul, magasin pourri. T'as rien. Bon, Franck et Ok pour qu'on déjeune tous les trois ce midi. Génial. Ouais. Puis c'est le meilleur, hein. S'il y a moyen qu'on ait la garde officielle de Céleste et qu'on puisse l'adopter, au moins il saura comment faire. Cool. Mm-hmm. Tu sais que j'ai très envie d'avoir un autre enfant. Mm-hmm. Mais toi, t'es sûr que tu veux t'engager là-dedans? Je crois que oui. C'est vrai? Ouais. Et puis j'ai pas envie de la laisser tomber. Et puis l'avantage avec elle, au moins, c'est que je pourrais pas faire de baby blues. Mm. Ça, c'est cool. Ouais. Mm. T'es heureux? Je suis très content. Ouais. Ouais. Moi aussi. Ah, François. Ah, t'es JP, le mari Caro, c'est ça? Oui, enfin, l'ex-mari. Bonjour. Bonjour les enfants, ça va? Vous me reconnaissez? Oui. Allez, allez jouer un... par là, je vais parler à votre papa. Allez, allez, jouer par là. Tu viens voir Inès? Ouais, je devais lui ramener les gosses, mais... Elle est pas là. J'ai essayé de la joindre plusieurs fois, elle répond pas. La merde, elle fait une crise, c'est ça? Je sais pas, c'est possible. Qu'est-ce que je vais leur raconter, moi? Bah écoute, c'est pas grave, je vais me débrouiller, je vais leur ramener à la maison et... Restez au courant. Je vais la retrouver. Bon, les enfants, ce soir, on va encore dormir chez papa, d'accord? Encore une nuit. Ça vous dérange pas? On fait ça? Ouais. Allez.
Oui, d'accord. Mais faut que je vous laisse, là, madame Bertin. D'accord. Et vous inquiétez pas, hein, le cancer du genou, c'est très très rare. Oui. À demain. Il ne s'est disparu. T'as pas des nouvelles? Elle a carrément oublié d'aller chercher les gosses. T'as dit quelque chose? T'as pas une idée où elle peut se trouver? Elle a besoin de toi. Ah non, je crois pas, non. Non. Au contraire, je crois que je lui fais du mal. Elle a été très claire là-dessus. Ah oui, d'accord. Donc en fait, ça t'arrange qu'elle te quitte, parce que maintenant que tu sais qu'elle est malade, tu veux plus d'elle. Mais de quoi tu me parles? T'es qui, toi, pour me juger? Tu sais rien de moi. Il y a 3 ans, j'ai perdu une patiente bipolaire. C'était une mère de famille. Elle s'est suicidée. J'ai pas envie de revivre ça, avec la femme que j'aime. Non, écoute, en fait, j'ai fait une connerie hier. Je l'ai laissée partir alors qu'elle venait de m'avouer qu'elle avait diminué son traitement. Et tu sais comment ça s'est terminé, la dernière crise? Elle est partie pendant 4 jours. C'est Caro qui l'a trouvée sur la Nationale, en train de faire la conne au milieu des bagnoles. Elle se croyait invincible. Là, écoute-moi bien. Tu fais absolument comme tu veux. Soit tu m'aides à la retrouver, soit tu restes là comme un lâche, à attendre qu'on vienne te dire qu'elle est morte. Attends. La lettre que Camilla vous a donnée n'a pas de valeur légale. Elle doit saisir le JAF pour que la petite vous soit confiée. Si le juge accepte, vous devrez directement présenter votre demande d'adoption devant la cour d'appel. Donc c'est possible. Ok. Alors, on se lance? Vous êtes sûr de vous? Qu'est-ce qu'on doit faire? Contacter la jeune fille pour tout lui expliquer et lui demander si elle est d'accord pour que je la représente dans cette procédure. Ok. Je m'en occupe. Ouais. Dis-moi, tu sais où est Inès? Non. Qu'est-ce qui se passe? T'as pas vu Inès? Non. Qu'est-ce qui se passe? On sait pas où elle est. Bon, ce que je vois, c'est que toi, tu t'occupes de ce quartier, mais que tu fasses ce binôme avec Michel. Toi et moi, on va s'occuper plutôt du centre. Quand je voudrais que tu prennes le quartier de l'hôpital. Comme ça, nous tous, normalement, on arrive à couvrir tout le secteur. C'est OK? Ouais, okay. Allez, on y va. Là, on est dans le quartier étudiant, là. De toute façon, t'inquiète pas, je t'appelle dès qu'on a des nouvelles. On va la retrouver. Allez, bisous, maman. Alors? Alors, il y a du côté de Michel et Adriane, et Stéphane continue à chercher. Bah, moi aussi, voilà. Ah non, écoute, la Salomé, il est un petit peu tard, je préfère que tu rentres. Même pas en rêve. Regarde bien. Je sais pas. Ouais, mais c'est un fait. Mais non, arrête, hein, famille, c'est trop bien. Regarde. Excusez-nous, messieurs, dames. Excusez-nous. On est à la recherche d'une femme blonde, la quarantaine, avec un grain de beauté au-dessus de la lèvre. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Bon, excusez-moi, monsieur, c'est ma tante. Elle est très malade. C'est elle sur la photo. Vous êtes sûr que vous l'avez pas vue? Ouais, je l'ai vue. Elle était là il y a peut-être 10 minutes. J'ai dû la mettre dehors et agresser les clients. Et vous avez vu par où elle est partie? Excusez-nous, on est un peu inquiets. Elle est partie vers l'église. Merci. C'est ça, mais je ne suis pas là, qu'est-ce qu'il y a? On se descend, détendez-vous là, Arrête. Arrête, calme-toi, c'est Jean-Paul, regarde-moi, il y a Salomé, on est là, ça y est, là. C'est bon là, tout le monde dégage, le spectacle est fini. Voilà, c'est fini, allez, viens, on va rentrer. Ça va monsieur? Ouais, c'est bon. Je suis désolée. Hein. Ouais, ça va, c'est bon, t'inquiète. C'est folle, sérieux. Thank you.
peur de souffrir, j'ai eu peur de... de pas être à la hauteur. Je t'aime. Mais si tu reprends pas ton traitement, on n'y arrivera pas. Pense à tes enfants. A déposé la demande de Camagna auprès du JAF. Et en attendant d'instruire le dossier, le juge est d'accord pour que Céleste reste avec nous. Bah, génial. Ouais. Cool. C'est bien. Bon, c'est bon signe pour la suite de la procédure, mais... Mais oui, je sais que c'est pas gagné, mais c'est bon signe quand même. Oui, c'est bon signe. Cool. Mmh. C'est cool. Ouais. Allez. Allez, Pablito, on y va. Viens. On y va. Voyons, les boulettes de pois chiches, c'est original. Hein. Donc c'est censé remplacer la viande, c'est ça? C'est de la protéine végétale. Avec du riz, c'est aussi nutritif qu'un steak. C'est ça. Tu vas voir, je vais te convertir au véganisme. C'est ça. Bonsoir, Jean-Paul. Bonsoir, Salomé. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Je viens d'apprendre que tu as donné des cours d'informatique à ce vieux monsieur. Monsieur Favrin? Oui, en dehors des horaires de permanence, alors que je t'avais expressément dit de ne pas le faire. Donc je suis navrée, mais je suis obligée de te renvoyer. Enfin, Marie-France, parfois il faut savoir briser les règles, tu crois pas? Eh ben non, Jean-Paul, je ne crois pas. C'est pourtant exactement ce qu'Adriane a fait. Je ne t'ai pas entendu le lui reprocher. Alors, cacher un bébé, oui, et aider un vieux monsieur, non. Mais ça n'a rien à voir. En tout cas, moi je suis très fier de ma fille. Parce qu'elle a fait le job. Et même un peu plus. Non mais elle a raison, je suis désolée Marie-France, j'aurais pas dû le faire. Salomé, excuse-moi, c'est moi qui ai eu tort de m'énerver. Tu as agi par pure bonté d'âme, hein, ce qui est très rare de nos jours. Alors je crois que ce serait injuste de te renvoyer. Ah, donc je peux continuer à l'aider, monsieur Favrin? Ah ben, il ne perd pas le nord. Il n'est pas passé loin de la boulette. Non, je déconne, Marie-France, la boulette. Pour chiche. Ah oui, les boulettes. Un hippopotame. Qu'est-ce que c'est, ça? Et là, une girafe. Regarde. Oui, allô? Oui.
c'était qui? C'était la mère des familles. Elle veut nous voir. Camilla, mon mari et moi-même, nous avons pris le temps de discuter et de réfléchir. Et vous aviez raison, monsieur Mon. Abandonner ce bébé parce qu'il est venu un peu trop tôt est une erreur que nous finirions tous par regretter. Camilla, la première. En tout cas, nous ne comptons pour Céleste. Elle ne sera jamais aussi bien qu'avec sa mère. Au revoir, Adrien. On se voit à la rentrée. Brillante comme tu es, je suis sûr que tu vas y arriver. Même en rentrant tous les week-ends voir ta fille. Mmh. Allez, t'allez. Merci. Merci. Bon, au revoir. Au revoir. Au revoir. Ça, je sais pas. Ça, c'est à moi. Ça, c'est à lui. Ça, c'est à lui. Ça, c'est à moi. Ça, c'est au gosse. Au gosse. Ah ! Et asseyez-vous. Ah, merci. Ah, attends. Parce que ça, je pense que ça va pas m'aller, ça. C'est sûr ? Je pense. Alors, quand est-ce que vous partez ? Ah, le jour où Caro rentre. Victor et Luna viennent avec nous. Ouais, ça va nous faire du bien quelques jours de vacances en famille. Et toi, tu pars quand ? Ben, demain. Merci d'avoir été là pour moi. Allez, un petit cupcake. Vas-y, ils sont bons. Sur la maillot. J'ai pas très faim. D'ailleurs, vous êtes équipés en vêtements, hein? C'est marrant, ces trucs-là. C'est à Stéphane. C'est chaud. Ça te va bien. Ouais, moi, j'ai une tête à chapeau. C'est magnifique. Alors, rien me va. Tu vas me manquer, ma fille. Toi aussi, papa. Est-ce que je t'ai dit que j'étais trop fière de toi? T'as assuré avec Inès. On a assuré. C'est vrai. Je suis pas un si mauvais papa, finalement. Non, t'es le meilleur. Tenez. Okay. Merci. Voilà, il faut que j'y aille, je suis vraiment à la bourre. Tu viendras me voir plus souvent. Tu t'amèneras ta sœur après le bac. Promis. Ah, papa, au fait, j'ai pris une décision cette semaine. J'arrête le lycée. Je suis sérieuse. D'avoir bossé toute cette semaine, ça m'a permis de me rendre compte que j'avais besoin de faire des choses concrètes. T'avais raison. Ouais. Et tu passes le bac d'abord. On en parlera. Je rigole pas, papa. Allez. Bisous. Bisous. On va rentrer, t'es sûre de départ? T'es toute seule là ou t'es avec elle? Non, je suis toute seule, je suis en train de faire mes bagages. J'école dans quelques heures, moi. C'est trop nul d'ailleurs, on va se rater. Ouais, mais je crois que c'est pas mal si je m'en vais avant que ta mère arrive. Ah bon, pourquoi? Ça se passe pas bien avec Salomé? Tu c'est impeccable. Papa? Non, tu me jures que tu dis rien à ta mère. Qu'est-ce qui se passe? Salomé, elle veut arrêter ses études. Ah ouais, t'es fort.
hein. Ben, maman va te tuer. C'est probable. You better got a good time.